Bonjour mesdames, aujourd'hui je vais vous présenter en fait le confort chic. Vous avez pu découvrir ce que c'était le confort à la maison, dans les vêtements tout confortables. Maintenant c'est pas l'idée de rester dans son vieux jogging, surtout pas. Je vais vous présenter des vêtements qui allient justement le confort avec l'élégance. Donc c'est vraiment deux choses qui sont importantes pour Mayerlin et qui voilà, je trouve que c'est important de le montrer parce que ça vaut vraiment la peine de porter les vêtements comme ça. Donc vous voyez, là on a quand même un joli panel de propositions et on va les découvrir ensemble. Donc le premier, en fait, c'est celui que je porte. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très confortable, hein. Je suis là pour en juger. Donc vraiment léger, agréable. Là, je porte une veste donc bien coupée, bien taillée, mais tout dans le stretch. Donc je peux vraiment bouger comme je veux. Vous pouvez l'imaginer, vous allez au travail, vous devez prendre l'avion, mais rester chic pour juste une réunion après. Vous portez ce genre de choses. Vous pouvez aussi l'envisager, donc le même look, mais simplement avec un pull en dessous très confortable. Donc on est dans du stretch, hein, avec le petit détail ici dans le poignet. Donc voilà, c'est vraiment un look qui est habillé et confortable. Donc très intéressant. Vous pouvez aussi l'envisager. Donc moi j'ai les sneakers, comme vous voyez, hein, les baskets. Mais après, on peut voir ceci avec une botte. Je le mets devant, comme ça vous pouvez mieux l'imaginer. Et donc ça fait vraiment tout l'ensemble. Ensuite, on a d'autres silhouettes. Celle-ci, je l'envisage, donc vous imaginez vraiment le total look. Donc vous voyez, on est dans un velours. Vous pouvez voir qu'il va vous montrer en détail. Donc c'est vraiment un velours qui brille à la lumière. Donc vraiment ça, c'est grâce au sens du poil. Mais ça, c'est toujours le velours. Il y a vraiment un travail intéressant au niveau de la lumière. Là, vous avez trois pièces. Le pantalon, très confortable, justement ceinture élastiquée, canon large. Et puis après, on a le petit pull qui va avec, comme ceci, et l'écharpe, le châle que vous pouvez mettre avec. Vous l'imaginez vraiment soit avec la sandale, soit avec une chaussure très élégante. Là, on est vraiment dans le chic, très confortable. Vous allez, on peut redécouvrir justement les théâtres, ce genre de choses. Donc, vous restez dans quelque chose de confortable, vous ne l'oubliez pas, mais en même temps, vous êtes habillé pour la situation. Donc ça, c'est une silhouette que j'imagine vraiment comme ça. Ensuite, vous avez par exemple ce pantalon plissé, hein, vraiment vous avez tout un travail de pli dans la matière. Donc c'est vraiment quelque chose d'extensible, ceinture de nouveau élastiquée, donc on est dans quelque chose de très agréable, on ne le sent pas quand on le porte, c'est fluide, c'est vraiment, ça bouge tout le temps. Et alors, vous le portez par exemple avec quelque chose qui est vitaminé comme ceci, avec donc ce pull, avec ce beau jaune pète, la cape comme ceci, vous mettez les baskets, vous imaginez bord de mer en train de vous promener, boire un café sur une terrasse, enfin, c'est vraiment quelque chose, on est dans du chic, dans du confort, voilà, on se laisse aller, mais en même temps, on est vraiment dans quelque chose de très féminin et confortable. Donc là, on a confort et couleur. Ensuite, ici, c'est un pantalon, donc le même style que le kaki que vous avez vu. Mais ici, c'est avec du cupro, donc on est vraiment dans une matière, vraiment un aspect soyeux, brillant, comme ceci. Donc c'est clair que si vous le mettez avec quelque chose de beaucoup plus relax en dessus, ça va faire vraiment un vêtement d'intérieur. Mais après, vous pouvez justement lui ajouter ce genre de tenue. Donc on est toujours hein, dans le confort parce qu'on a le petit pull en dessous qui est dans le stretch, jersey stretch vraiment agréable, bien structuré avec de beaux détails comme ceci. Et puis ensuite, vous sortez de chez vous et vous mettez la jaquette, donc justement ce mélange de veste et t-shirt. Donc ce qu'on vous avait présenté dans un précédent film, et c'est vraiment quelque chose de tendance qu'on va voir de plus en plus. Donc ça remplace la veste en jeans, vous pouvez la mettre maintenant comme ceci, ou alors plus tard aussi en blouse, ça c'est à vous de voir. Mais donc là on est vraiment aussi dans quelque chose de confortable et de stylisé. Maintenant on a vraiment ce genre de vêtements, donc vous avez un ensemble. Vous avez le haut et puis le bas, donc mis ensemble comme ceci, ça fait un total look, on est dans le confort, toujours avec le travail de le détail justement plus féminin. On n'est pas dans quelque chose de trop sportif, trop
vêtements d'intérieur en fait, voilà. Vous pouvez justement le voir aussi dans notre magasin, enfin dans notre collection, nous l'avons dans ces trois coloris. Donc vraiment, vous avez le choix au niveau des coloris. Et bien sûr, eh bien, il y a les trois hauts, donc il y aura les trois bas. Mais vous pouvez vraiment les allier. Ceci, en fait, on vous le présente comme ça, mais j'aimerais aussi vous montrer ce qu'on peut faire d'autre avec, pour pas forcément y envisager comme total haut. Je vais vous montrer déjà. Donc, c'était ce coloris comme ceci, total look. Eh bien, par exemple, vous restez dans le confort, mais vous l'imaginez un petit peu plus travaillé au niveau de l'habillé. Donc là, on est dans le pull en laine avec le lurex, un travail dans la maille de la manche vraiment très joli, très féminin. Et puis, vous avez aussi en dessous une petite blouse en velours, et il y a tout un travail dans le motif, différentes couleurs, et vous pouvez vraiment marier avec toutes les couleurs qu'il y a dans le motif. Donc là, on a choisi l'option de vous la présenter avec le pantalon brun, mais bien sûr, vous pouvez aussi aller avec le bleu, avec cette blouse. Donc voilà, mais ça c'est aussi très confortable. Si vous prenez le haut de l'ensemble, eh bien voyez, on l'a marié, donc vous avez le haut, avec justement le velours où il y a toutes ces petites fleurs, différents coloris, et on met une petite touche de rappel avec l'écharpe qui existe aussi. Donc là aussi, ça vous fait aussi un beau style très confortable, très agréable, avec cette petite touche d'élégance en plus. Pour la version lilas, eh bien, on a le pantalon, et je vous propose avec donc un contraste au niveau des matières. On est dans la même gamme de couleurs, mais on n'est pas à l'identique. On décale un petit peu, et alors vous avez justement ce lilas un peu plus clair avec une petite blouse jeans en dessous. On est dans quelque chose de sportif, habillé. Et donc voilà, ça fait vraiment aller avec la basket sans problème. Même avec la botte, si vous avez une botte aussi dans les lilas, ça peut être très très sympa. Ou dans les jeans, c'est aussi très joli et ça fait un autre look. Ce qui est sympa à faire, c'est par exemple, vous avez le sac juste ici et vous mettez justement l'ensemble, et alors ça c'est vraiment un look très citadin. Vous avez aussi alors ce pantalon qui a un très très bel effet dans le velours. Vous voyez, c'est vraiment cet effet frappé. En fait, on a travaillé le velours pour qu'il réagisse quoi qu'on fasse avec la lumière. Et là, on est dans le kaki. Donc le kaki, c'est une couleur qui va avec énormément de choses. Et nous, on vous la propose justement de nouveau avec un lilas. Donc là, vous avez un sous-pull très confortable, bon chaud, vraiment agréable. Il a de la matière soja dedans, ça fait vraiment une matière toute douce. Vous allez pouvoir le constater en venant le découvrir à la boutique. Et puis par-dessus, alors on a mis ce pull, donc sans manches. Et après, vous avez ce côté cosy, confort, vraiment tout doux. Donc voilà ce que ça donne. Enfin, vous pouvez toujours mettre un collier, autre chose. Mais ça, à vous d'accessoiriser, en fait, ça va dépendre du moment. Et maintenant, là, on est de nouveau dans un total look, mais une matière un peu différente. On était dans un velours juste avant. Cet ensemble a été travaillé différemment. Vous voyez, par exemple, ici, on a un détail au niveau de la ceinture. On a les petites lichettes ici. La poche aussi, il y a un petit biais. Et alors, vous retrouvez ce travail dans le haut. Et alors, vous pouvez toujours le porter pour le styliser un peu plus, lui mettre justement un chemisier en dessous. Là, c'est notre chemisier oversize qui dépasse, ça fait vraiment ce style sympa. Et de nouveau, avec la basket blanche. Là, vous pouvez être dans quelque chose de confortable, de la promenade, le travail. Si tout d'un coup, vous devez aller chez le kiné pour des exercices, enfin, voilà. Vous êtes dans quelque chose de pratique, tout en ayant le style de nouveau. Et je vais vous montrer aussi avec cette sneaker. Parce que moi, j'ai les blanches, je vous montre toujours avec les blanches, mais c'est aussi très sympa avec ce coloris. Et maintenant, alors, de nouveau un total look. Alors là, vous avez donc quelque chose qui est travaillé dans les bordeaux et dans les noirs. Vous voyez tout ce travail graphique comme ceci dans le velours. Donc vous aurez de nouveau un jeu de lumière comme ceci. Et alors, je vais vous le proposer de différentes façons. On sort du total look. Et alors, par exemple, avec ce jeans, côté un peu sportif comme ceci, le jeans a justement un travail intéressant aussi
au niveau de la taille, donc on est d'une taille un peu plus haute avec des poches, avec des petits biais en velours. Et alors vous venez justement finir la silhouette comme ceci. Ça fait sportif chic de nouveau, confortable. Ou alors si vous avez besoin de quelque chose de plus habillé mais toujours confortable, parce qu'on est dans quelque chose de très souple, vous avez cette jupe en simili cuir. Donc qui suit les mouvements, qui fait vraiment ce côté habillé. Et alors, vous pouvez aussi utiliser par contre le pantalon, comme ceci, et venir calmer la silhouette avec un petit pull noir. Donc voilà, cette silhouette est aussi intéressante si on est petite. La jambe est très allongée, donc on prend des centimètres, et en même temps, on vient nous couper un petit peu plus haut, donc c'est vraiment... On fait une silhouette élancée avec ce look. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné envie de styliser le mode confort. N'hésitez pas à venir essayer, toucher, voir, parce que ça vaut vraiment la peine avec les qualités de velours qui sont différentes, de voir comment ça donne sur nous, parce qu'il y a des fois des silhouettes qu'on serait étonné. Ça vaut vraiment la peine. On a une idée, on se dit non, non, non. Mais en fait, oui, oui, oui. Et donc, voilà, il y a vraiment un grand panel, un large choix. Et donc, vous êtes toujours les bienvenus dans les boutiques. À tout bientôt.